Now, now it's the time to worship. Now, now it's the time to give you ha for you. Tu es roi du monde entier, j'espère que c'est ton Dieu est le roi du monde entier et pas le tien, ça ne te rapporte rien du tout. Mais si c'est ton Dieu, il va te ramener beaucoup. Soyez les bienvenus, ceux qui sont venus encore. Cet après-midi, j'aimerais, surtout dans cette situation actuelle, parler d'un thème dont tu n'as pas souvent pas entendu. J'aimerais vous parler de la faveur de Dieu et surtout comment est-ce qu'on vit dans cette faveur de Dieu et qu'est-ce que c'est cette faveur de Dieu. Dans la Bible, il est écrit que ce soit David ou Joseph, il a reçu la faveur de Dieu, il avait faveur aux yeux de Dieu. Tu peux imaginer que Dieu dit Tu as trouvé la faveur dans mes yeux. Qu'est-ce que c'est la faveur C'est presque, c'est un mot qui est très près de la grâce. Tu peux vivre dans cette grâce ou dans sa faveur, ou tu peux la détruire. Tu peux être le chouchou de quelqu'un. Mais avec le temps, tu peux aussi te comporter de façon pour que la faveur se transforme en rejet. Dieu aimerait te donner sa faveur. Et maintenant, j'aimerais te demander comment est-ce qu'on reçoit la faveur de Dieu en ce moment et au moment où Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés, où Jésus dit, tu es mon enfant, je t'ai pardonné tous tes péchés. Alors, toi, moi, il nous prend par la main, il nous emmène au Père, il nous regarde. Et le Père ne dit pas, oh là là, qu'est-ce que c'est ça Mais il te dit, tu as faveur à mes yeux. Parce que Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés. Et comme ça, la faveur commence. Est-ce que tu peux te remémorer comment c'était chez toi, où tu étais né de nouveau, où la grâce a touché ta vie, où tu as vécu comme... Au septième ciel, tu étais comme au ciel, tu étais super heureux et ça, c'était la faveur de Dieu. Tes péchés t'ont été pardonnés. Tu as eu la faveur et tu as vu qu'au moment, tu pouvais être devant ton Dieu. Le rideau dans le temple a été déchiré pour toi. Tu as trouvé la faveur et tu peux aller vers tôt, ton Dieu ou d'autres ne peuvent jamais y aller ou attendre pendant des années à cause de la religiosité. Tu as trouvé la, cette faveur auprès de lui, tu n'as rien eu besoin de faire. Et je me rappelle, il y a 15 ans, j'avais fait un séminaire, une école de prophètes en Tunisie, et on avait encore un autre orateur qui était avec, Michel Chevalier de Canada, et il parlait très bien de la faveur de Dieu, de la faveur financière dans le travail, au niveau de la santé, d'autres domaines. Et il expliquait que c'est comme si les portes s'ouvraient, tu ne l'as pas mérité. Et dans ma vie, j'ai eu beaucoup de faveurs. Mais ça m'avait vraiment très, très touchée, là, parce que on reçoit beaucoup de, de faveurs. Mais je me méfiais un peu de ces prédicateurs qui parlaient de faveurs avec les finances. Et là, j'avais un peu mes doutes au sujet de ces grandes petites collectes. Et en Tunisie, je suis restée deux jours de plus. Et j'étais à l'aéroport et j'étais vraiment préoccupée par cette faveur. Et je sais, à ce moment-là, j'avais ma valise. Je rentre à l'aéroport. Je veux prendre l'avion pour Francfort. Et je remarquais devant moi, il y a une très grande file jusqu'à euh, qu'on puisse enregistrer les bagages. Et il n'y avait que deux portes ouvertes là à la police. Et là, je me mets dans la file. Je pensais, oh là là, ça c'est sans doute une heure euh, d'attente. Euh, si seulement j'avais pré-enregistré, euh, et de nature, je ne suis pas quelqu'un de, de patient. Euh, parfois, des gens dans ces situations, ils prient, ils lisent la Bible. Moi, je n'ai pas encore tout à eu fait eu ce don que quand je sens ce stress-là, j'ai je, 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 du stress. Et alors, je me disais, tiens, la faveur de Dieu. Et maintenant, je vais essayer ça. Et j'ai vu dans, dans ce grand aéroport, derrière, il y avait une autre porte où on pourrait s'enregistrer, où il y avait la police dedans, mais c'était fermé. Alors, je disais, Dieu, maintenant, je veux essayer ça avec la faveur. Je, alors, j'ai pris ma valise. Donc, je suis allée à l'autre porte où, en fait, euh, c'était fermé pour enregistrer. Et je vais avec ma valise là-bas. Le policier me regarde et je dis à Aslema. Ça veut dire bonjour, sois béni et blabla et d'autres choses. Et il me regarde. Je pose mon passeport, il met un tampon et je passe comme il n'y avait rien, c'était normal. Et tu sais à quoi je pensais Oui, ça aurait bien pu être le hasard qu'ils aient juste ouvert là, ce, cette porte d'enregistrement. Et bien, et en, au moment où je traverse, il euh, y a. Derrière moi, il y avait 30 ou 40 personnes qui m'avaient suivi au moment où je voulais changer de porte. Et je pensais, oui, mais c'était peut-être un hasard euh, qu'ils aient juste ouvert. Et alors, au moment où j'étais passée, je me retourne. Et quand j'étais passée, il dit aux autres personnes bah, écoutez, ici c'est fermé, vous devez retourner à l'autre file. Et Dieu me dit ça, c'est la faveur de Dieu. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça, des moments. Où, où tu as eu la faveur de Dieu, des moments où tu as eu la faveur de Dieu. Tu sais pas pourquoi tu es rentré là-dedans. Tu as eu un rendez-vous. Tu as eu l'affaire. Je viens des hommes d'affaires. Avoir la faveur du, du client ou de la banque ou des financiers. Tu sais pas ce que c'est. Les gens parlent de chance, mais je ne veux pas parler de chance, je veux parler de faveur de Dieu. Est-ce que tu es intéressé de vivre une vie où tu vis dans la vie avec la faveur de Dieu Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, le plus rapide, mais la faveur de Dieu est sur ta vie. Peut-être que toi, maintenant, tu, tu, tu es favorisé. Il y a quelque chose qui a été fait, quelque chose est moins cher, quelque chose s'est passé. Pas parce que tu es super, parce que tu as fait quelque chose, mais simplement parce que tu as la faveur de Dieu. La faveur de Dieu n'a avec rentabilité rien à voir. La faveur de Dieu, c'est de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce La grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est une bonté de Dieu, c'est de l'amour de Dieu que toi et moi, nous n'avons pas mérité. La grâce, on ne peut pas la mériter. Jésus a payé pour cela, pour toi, pour moi. Et si on prend ce cadeau, alors on peut avoir cette grâce. Si tu prends la grâce, alors la faveur de Dieu est sur toi et en toi. Quand tu t'es converti, tu as eu la grâce de Dieu. Et maintenant, tu peux vivre dans la grâce, dans la faveur de Dieu, ou tu peux retourner dans le légalisme, là où peut-être il n'y a pas de faveur. Et là, souvent aussi, il y a des malédictions et tout est difficile dans la vie. Et ça, c'est la cause pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sauvés, enfants de Dieu. Ils se donnent beaucoup de peine, ils se battent même mais ils ont si peu de défait de, parce qu'ils n'ont pas la faveur de dieu et cet après-midi j'aimerais parler comment est-ce qu'on peut perdre la faveur de dieu j'aimerais parler d'une histoire de la bible dans matthieu et jésus je veux juste lire la première phrase et je vais vous raconter ce qui suit je, jésus dit c'est pourquoi avec le royaume de dieu c'est comme il parle ici du royaume de Dieu, du royaume du ciel. Et alors, il, il raconte une histoire. Il y avait un homme, il avait beaucoup de dettes, plus de 100 000 talents, une immense dette chez le roi. Il ne pouvait pas payer ça. Le roi dit, toi, il faut que tu me donnes cet argent maintenant. Et si tu ne payes pas, et à ce moment-là, en Israël, c'était aussi, alors l'huissier peut venir prendre ta maison, ton argent ta famille, tes enfants, donc euh, peut tout prendre. Donc cet homme qui avait les dettes, il se devant le roi et il dit donne-moi une chance, peut-être que je peux payer plus tard. Maintenant je n'ai rien avec moi. Et le roi lui a donné la grâce. Cet homme se lève et que fait-il? Ici il a des dettes. Il va chez quelqu'un qui à qui lui doit à lui aussi de l'argent il dit à cet homme là écoute tu me donnes euh, tu me dois de l'argent il faut que tu me donnes ça tout de suite et cet homme disait je ne peux pas payer pour l'instant alors il le prend il le laisse euh, enfermé en prison est-ce que tu crois que cet homme vivait dans la faveur de dieu cet homme avait eu la faveur de dieu et il a fait l'inverse de ce qu'il a reçu jésus nous raconte cette histoire et il nous dit, ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu signifie, tu reçois la grâce, la faveur, et tu vis là-dedans. Et l'ennemi n'aimerait pas que tu vives dans cette faveur, dans cette grâce. Mais il, il te dit que tu peux être sauvé. Mais si tu as la faveur de Dieu, tu es dangereux pour lui. Les gens vont voir, ils vont être attirés. Ils veulent aussi avoir ce que toi, tu as. Je connais tellement de chrétiens, ils vivent dans la pauvreté, ils vont de cure d'âme en cœur d'âme, ils pensent que c'est la faute du diable, mais ce n'est pas la faute du diable, c'est simplement une attitude de ton cœur qui est la faute. Et maintenant une question, comment est-ce que tu as reçu la grâce de Dieu Comment est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu fies avec la grâce, tu peux aller de grâce en grâce. Pendant toute ta vie, tu peux vivre dans ce fleuve de la grâce. Mais tu peux très vite aussi sortir de ce fleuve, le, le perdre. Si tu es dans ce fleuve, c'est comme un vrai fleuve. Quand tu es dans un fleuve, la dernière fois j'étais en Suisse, à Berne, et Berne est traversée par un grand fleuve. Mais c'est pas comme en, en Allemagne, doucement, mais c'est un courant très fort parce qu'il descend de la montagne. Et c'est beau de voir comme il y a un endroit très spécial sur un pont, il saute euh, dans le fleuve et il se laisse transporter pendant deux kilomètres par ce fleuve, il se laisse porter et c'est vraiment merveilleux et surprenant comme ça va vite et devant ils ressortent et ils remontent à pied et ils ressautent et ils se laissent porter dans ce fleuve tout le long et les gens sont vraiment tellement heureux et là-bas j'étais déjà deux fois et j'ai observé ça et, et j'ai vu comme les gens étaient heureux et portés par l'eau et maintenant deux fois j'étais là-bas mais j'étais sûr j'aurais pu être là toute l'année j'aurais jamais vu quelqu'un qui essaie de nager à contre-courant. Je crois que ce n'est pas possible non plus. Et comme ça, c'est aussi avec le fleuve de la grâce. Tu peux être porté par ce fleuve ou tu peux par tes propres forces. Qu'est-ce qui est important quand tu as reçu cette grâce? C'est quoi la première chose dans ta vie pour qu'il y ait des fruits? Comment est-ce que tu vis avec cela? Et ça, c'est tellement important. Je me suis inscrite à plusieurs choses. Quand tu as reçu la grâce, la première chose c'est hey, soit reconnaissant. Ne crois pas tu l'as reçu parce que tu es quelqu'un de formidable parce que tu as fait quelque chose. Non, Jésus Christ a fait cela pour toi. Il suffit de le prendre. Mais ton cœur, il faut qu'il soit rempli de reconnaissance à chaque fois que Jésus a pardonné tes péchés et qu'il t'offre quelque chose. Il faut qu'il y ait un fleuve de reconnaissance qui est libéré de toi. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu m'as donné. Je te remercie pour ma vie, pour le pardon. Que je puisse vivre, quand tu vis dans cette reconnaissance, cette faveur, ce fleuve ne va pas s'éloigner de toi. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes. Il faut que tu aies de la joie, de la joie que Dieu t'a donné la grâce. Si re, tu recommences avec ta mélancolie, dans ta tristesse à cause des circonstances, alors, ce fleuve de la grâce va de nouveau être freiné. Pense à cela. Sois reconnaissant, sois plein de joie, sois miséricordieux. Si Dieu t'a pardonné, alors pardonne aux autres aussi. Si Dieu t'a aimé, alors aime aussi les autres. Ne sois pas pas miséricordieux. J'ai vécu plusieurs fois, ou parfois j'étais choquée aussi de chrétiens qui ont fait différentes choses. J'étais choquée et parfois j'étais même un peu fâché en moi et le saint-esprit me dit pierrot combien est-ce que moi je t'ai pardonné combien le seigneur t'a pardonné à toi et maintenant toi tu as du mal à pardonner et tout d'un coup je, je reconnais au oh, seigneur pardon je veux je veux pardonner je veux le faire et à ce moment le fleuve de la grâce de, de la faveur revient et est, est libéré maintenant tu peux le faire le fleuve de la grâce vient quelque part te chercher d'humour, de lamentation, des circonstances. Il va couler. Et cet après-midi, toi, tu peux sauter dedans. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la prédication, mais tout de suite, tu dis, Seigneur, maintenant, je veux être dans la joie, je veux être miséricordieux. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est l'adoration. Je ne veux pas dire chanter des chants ou écouter de la musique chrétienne. Je veux dire adorer. C'est un style de vie. Est-ce que tu es une adoratrice? Est-ce que tu es un adorateur? Tu sais, c'est tellement facile d'adorer quand la faveur de Dieu est sur toi. Quand tu as reçu le pardon, quand tu as reçu la grâce, c'est tellement facile d'adorer, de dire, Seigneur, tu es tellement fantastique. Il n'y a personne comme toi. Tu es mon Dieu. Je veux t'aimer toute ma vie. Commence. À laisser sortir cette adoration de son cœur, et tu vas sentir le fleuve de la grâce va venir et la faveur va revenir petit à petit. C'est un style de vie. Tu sais ce qui est important, c'est donner témoignage. Donner témoignage de la bonté de Dieu. Quand tu es avec des gens, qui sont autour de toi, qui ont perdu cette faveur, qui sont devant le mur de lamentation, qui parlent négativement. Il est écrit dans le psaume 1 Ne t'assieds à côté des médiseurs qui critiquent, mais à, commence à t'éloigner ou commence à parler combien Dieu est bon. Tu vas transformer toute cette atmosphère-là. Commence à raconter tout ce qu'il a fait de bon pour toi dans ta vie. Et tout d'un coup, il y a un fleuve que tu vas libérer dans la vie d'autres personnes. Donner témoignage, c'est tellement important. Ça peut libérer la guérison et d'autres choses. Tu vas être en paix, vivre en paix. La paix de Dieu va être sur toi si tu fais ça. Il y a aussi quelque chose. Crois à la bonté de Dieu. Quand tu adores ton Dieu, quand tu donnes témoignage, tu vas vivre en paix. La paix de Dieu va être là si tu fais cela. Il y a aussi autre chose. Crois à la bonté de Dieu. Quand tu adores ton Dieu, quand tu donnes témoignage, tu auras toujours une ration de foi à la bonté de Dieu. Tu l'auras en toi. Et c'est tellement important. Quand Paul était en prison, il a commencé à adorer et à louer Dieu avec Barnabas. Alors Dieu a commencé à se manifester. Le, le fleuve de la grâce est venu. Il est sorti de prison. Toute la famille, le, le directeur de la prison s'est converti. Tu sais, le fleuve de la grâce est passé par là. Tu sais, tu vas en prison dans les chaises, dans une atmosphère terrible. Et là, il a eu la faveur de Dieu. Il l'a libéré en ce qu'il a adoré son Dieu. Il ne s'est pas lamenté. Qu'est-ce que qui se passe encore quand tu reçois la grâce? Tu as un cœur brisé. J'aimerais te raconter une histoire de ma vie où j'ai reçu la grâce, où elle m'a brisé, elle m'a secoué. La Bible dit, Jésus est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur peut être brisé des circonstances ou ton cœur peut être brisé par l'amour de Dieu, par sa grâce. Si tu es un cœur hard, dur, et je sais, pendant 30 ans, j'ai vécu avec un cœur très dur. Rien ne pouvait briser mon cœur, rien du tout. Moi, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie, où des gens m'ont poursuivi avec des armes qui voulaient me tuer, mais mon cœur est resté très, très dur. Et après, quand je suis traversée par cette grâce, j'ai été secouée. Quand Jésus m'a rencontré, quand j'ai rencontré Jésus, il m'a dit, je te pardonne tes péchés, j'aimerais te guérir, j'aimerais t'utiliser. Il y avait tellement d'amour là-dedans. Et ça avait brisé mon cœur. Ce, cette haine, cette ce, ce, ce bataille, cette bataille, je pouvais plus me battre. J'avais plus envie de me battre. Tout m'était égal. C'était tellement brisé en moi. L'amour de Dieu avait brisé mon cœur. La grâce brise ton cœur. Souvent, on remarque comme souvent notre cœur devient de nouveau dur, où on condamne, on critique de nouveau les autres. Et je dis à Loa, comme mon cœur est de nouveau devenu dur, la grâce brise toute dureté de notre cœur. Et quand j'ai trouvé Jésus, mon cœur brisé a été brisé les de tendre et pendant des jours et des jours j'ai lu la Bible j'ai donné témoignage j'ai prié et il y a tellement de choses qui sont changées et tellement de gens m'ont même plus reconnu ils m'ont même dit que les traits de mon visage sont transformés les traits de mon visage euh, sont devenus plus tendres on ne me reconnaissait plus je peux vous raconter il y a plusieurs années. En tant que chrétien pasteur, je, donc j'ai eu un cancer. Je suis allée à l'hôpital chez le médecin et ils m'ont fait un scanner. et Ils ont vu que j'avais déjà des métastases dans les poumons et que je devais tout de suite avoir une thérapie, une chimiothérapie. Donc je raccourcis un peu, mais j'aimerais dire... C'était un temps vraiment terrible pour moi quand j'ai eu cette euh, diagnose, cette annonce du cancer. En un moment, Dieu m'a touché et sans médicaments, sans thérapie, ce cancer, en un moment, une seconde, est parti. Ça s'est passé à l'hôpital. Et le chef, euh, la professeure euh, médecin de l'hôpital, il voulait encore une fois que je fasse un scanner. Il n'y avait plus rien, plus rien. Et les, mé les médecins disent ça, c'est une guérison spontanée. Mais je savais, ce n'était pas une guérison spontanée. Je savais, c'était la faveur de Dieu sur moi. Et je peux encore me souvenir, c'était sans doute il y a 15 ans, je sortais de cet hôpital. Les médecins me disaient Allez à la maison, vous n'avez rien. Tous les rendez-vous qu'on a fait pour la chimiothérapie, on va tout enlever. Et je me rappelle, que je descends les escaliers dans cet euh, hôpital, j'étais dehors. Euh, à, à la route et, et sur les marches, je me rappelle, c'est comme si quelqu'un m'avait tapé sur la tête, fracassé, pas corporellement, mais intérieurement. « Dieu, pourquoi tu es si bon pour moi Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as, moi, guéri Est-ce que j'ai mérité ça Que je pas besoin de médicaments, pas de chimiothérapie, que j'ai pas besoin d'être opéré, que j'ai pas besoin de mourir pourquoi Seigneur, tu as fait cela pour moi Pourquoi tu es tellement bon pour moi Et j'étais là sur l'escalier, sur les marches, et j'étais là, il y avait quelque chose qui était brisé en moi. Et tu sais, la bonté de Dieu, ça brise. Tous les gens m'ont dit, quand tu as le cancer, il faut que tu te battes, il faut que tu acceptes toutes les thérapies, il faut que tu sois fort. Mais à ce moment, sur ces marches, je n'étais pas fort. J'étais comme un petit garçon, j'étais brisé. Et je sentais cette grâce. Dieu, tu m'aimes tellement que tu m'as pardonné, que tu m'as guéri, que tu es parti. Ça, c'est un cœur brisé par la bonté de Dieu. Quand tu reçois la grâce de Dieu, il y a quelque chose en toi qui se brise. Si tu reçois la grâce, si tu penses que tu es, tu avais une super foi parce que tu as proclamé, parce que tu es un super chrétien tu ne vas jamais apprendre cette dimension la grâce tu n'as pas mérité. Il y a aussi d'autres petites choses mais c'est pas la grâce. qui est très fort il y a un certain temps j'étais chez le dentiste et alors il me dit donc après avoir fait une radio, j'avais mal à la dent et j'avais un kyste au niveau de la mâchoire. Il me dit « c'est pas grave, c'est juste une boule comme ça, il faut la sortir, sinon ça va euh, toucher les dents et, et la mâchoire euh, ». Je lui dis « mais comment est-ce qu'il faut qu'on fasse ça ?» Alors le dentiste me dit « bon ben je vais vous envoyer chez un chirurgien, il ouvre ça, il coupe, il coud, c'est une petite chose pour lui ». Est-ce que toi, tu voudrais que quelqu'un coupe dans ta bouche, euh, court, euh, que c'est une petite chose Moi, j'ai pas envie que quelqu'un fasse quelque chose comme ça chez moi. Peut-être est-ce que je suis un peu sensible, je ne sais pas. Mais je suis rentrée chez moi et je n'étais pas très encouragée. J'avais là l'ordonnance du docteur et, et j'étais chez moi et je me rappelais, ah, la faveur de Dieu, tu as donc... Fais la faveur à Dieu, à Pierrot, j'avais pas mérité, mais tu es mon père, est-ce que tu peux maintenant faire cela euh, Seigneur, tu vois, je mets mon doigt dessus comme ça, est-ce que tu peux me donner la grâce, la, la faveur J'aimerais pas me laisser couper, et je sentais quelque part en moi, c'est là, c'est là, je le savais, mon Dieu, il m'aime tellement, c'est juste à ce moment-là. J'ai mis mon doigt dessus, comme ça, et j'ai dit merci Seigneur, c'est tout. Et trois semaines plus tard, je suis une voix chez le dentiste. Alors, t'as fait J'ai dit non. Euh, Est-ce que je peux faire une radio Alors, elle a fait une radio. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tu sais, cette joie dans ton cœur, Dieu, tu m'aimes tellement, tu es tellement bon, ça a brisé mon cœur. Et quand ton cœur est brisé, la faveur de Dieu est très proche de ta vie. L'aura, je dis maintenant, je veux pas choquer, mais l'aura de la faveur de Dieu est là. Les anges voient ça. Les puissances démoniaques ne viennent même pas parce qu'ils haïssent ça. Ils voient quand la faveur de Dieu est sur une personne. J'ai trouvé la faveur. Parfois, je l'ai presque perdue, mais j'aimerais toujours de nouveau la reprendre cette faveur. La faveur, on ne peut pas la mériter. Je me rappelle encore un jour, c'était un peu hmm, pas très beau pour moi. J'ai fait des bêtises comme ça, j'ai porté une autre personne. Euh, et il y a un certain temps, j'avais une hernie et, et en portant cette personne, en faisant des bêtises. Euh, c'était ouais un moment de, de oui et euh, je sentais que ça fait... quand j'ai porté la personne je suis rentrée chez moi le soir euh, je me déshabille dans ma chambre et je vois qu'il y avait une boule comme ça c'était ma faute et vraiment j'avais honte Je n'avais pas envie de raconter même pas à mon épouse c'était c'était oui j'avais honte je savais très bien je savais très bien oh, comment est-ce qu'on peut être si bête à ton âge pour soulever quelqu'un et puis euh, et j'étais là, euh, j'avais déjà été opéré d'une hernie, ouvrir là, et puis euh, tout le monde te demande euh, pourquoi tu n'es pas là, où je me fais opérer de ceci, à cause de quoi euh, Et tout d'un coup, je me rappelais, Seigneur, je sais, je suis fautif, mais tu sais donc, je suis donc ton pierrot, je suis donc ton, ton petit, montre-moi ta, ta faveur. Et je sais, j'ai mis ma main dessus et au même moment, je sentais comme tout d'un coup, tout retournait à sa place. Cette boule était de nouveau dedans, tout était de nouveau comme avant. Je ne devais pas me faire opérer. Je pouvais seulement le raconter deux, trois ans plus tard. Je peux en rire aujourd'hui, mais c'est la faveur de Dieu. Je n'avais pas mérité. Et quand je réfléchis à cette faveur de Dieu, ça me brise le cœur, ça, ça, la reconnaissance. Qui, qui, qui vient et ça ça attire la faveur j'aimerais encore raconter beaucoup de choses quand j'ai appris euh, l'état de mes finances dans ma vie quand j'avais un million de dettes euh, d'une seconde à l'autre tout a été euh, effacé c'est impossible mais ça c'est la faveur de Dieu quand je détais sur la roue dans la roue sur la route, euh, Dieu avait dit, Vends ta maison. Et, et je dis, Mais comment ça continue Et la maison n'arrivait pas. Alors on a cherché. On avait quatre enfants. On était à la rue. On savait très bien, Dieu avait une maison très précise pour nous. Et alors, quand on l'a trouvée, on a signé. Alors tu sais très bien. Je suis tellement reconnaissant, C'est ta faveur qu'on a reçu cette maison. C'est une histoire un peu plus longue, mais c'était plein de grâce et de faveur Et peut-être la dernière, mais je peux beaucoup en compter, Mais encore une. Mais je sais quand tu as que tu vas de grâce en grâce, ça brise ton cœur. Une de mes filles, Lydie, elle avait cinq ans. Elle avait une inflammation à la tête, euh, une méningite. Et elle est allée à l'hôpital, elle est tombée dans le coma et qu'elle ne pouvait plus avaler et ça sortait de la bouche, la salive. Elle commençait à avoir des crampes. Alors les médecins disent, euh, si cette nuit elle allait mourir, on vous envoie la police pour vous prévenir. Mais si elle, elle, si elle rentre de nous, si elle ne meurt pas, elle aura sans doute des séquelles euh, à vie. Alors tu es chez toi à la maison J'étais deux jours à la maison chez moi, les pensées « mon enfant va mourir » ou, ou « handicapé », c'était des pensées incroyables, « tu sentais cette mort ». Alors deux jours, j'étais comme ça dans la prière, et pendant la prière, j'ai eu une vision, je voyais Jésus qui avait ma petite de cinq ans dans ses bras, et je savais, elle est chez Jésus. Et Jésus me regardait et me dit « Pierrot, est-ce que tu veux la voir à nouveau ?» Et je disais oui Seigneur. Et alors je vois dans cette vision comme il me rend de nouveau ma petite fille. Deux jours plus tard, je raccourcis. On l'a sortie de l'hôpital. Les médecins voulaient pas nous la donner et eux ne pouvaient pas comprendre ça. Deux jours plus tard, on la cherche de l'hôpital et on part avec elle en vacances. Elle était complètement euh, guérie. Elle n'avait aucune conséquence. Aujourd'hui, elle est mariée, a trois petits-enfants et son mari, elle sert le Seigneur. Ça, c'est la grâce. À ce moment où le Seigneur me l'a rendue, je savais, je, il me la rend. Et ça, ça a brisé mon cœur. Mais c'est l'amour de Dieu qui brise mon cœur, pas les circonstances, mais l'amour de Dieu. Et quand je réfléchis à toutes ces choses que Dieu m'a offert, alors il y a quelque chose qui vient dans ma vie, ce, cette, ce, ce cœur brisé parce que je sens l'amour et qui enlève ce cœur dur. Et je sais très bien, je suis dans ce fleuve de la grâce. Alors, c'est quoi l'inverse J'aimerais quand même le dire. Quand tu reçois la grâce. Et tu n'es pas reconnaissant, tu ne te prends pas le temps de transformer la grâce en remerciement et que c'est normal pour toi, l'orgueil va venir, tu vas devenir dur. Si tu n'as pas de joie et que tu commences à être amer, déçu, si tu n'es pas miséricordieux, si tu es dur avec les autres, si tu ne donnes pas témoignage et tu commences juste à gémir, tu vas perdre la paix, tu vas perdre un bout de ta foi. Tu ne vas pas avoir un cœur brisé, mais tu vas avoir un cœur dur. Et tu ne vas plus être dans la grâce, mais dans, un, dans une rentabilité. Et la faveur, la faveur de Dieu ne va pas être avec toi. La faveur sont pour ceux qui sont dans cette reconnaissance, dans cette grâce. Et ça, c'est tellement important. Je réfléchis comme ça et je dis comment ça se fait que à certaines personnes Dieu offre tellement de grâce et tout d'un coup on ne voit plus rien dans leur vie. Je peux te dire pour ceux qui ont lu mon livre Miracle au pluriel, on a vécu tellement de miracles où des gens du cancer sont guéris, ils ont des gens libérés, beaucoup de gens ont vécu des miracles. Qui étaient à la mort et il les a guéris. J'ai beaucoup de gens qui qui sont de nouveau de cela, qui sont de nouveau partis de Dieu, qui ont perdu leur foi, perdu euh, leur Dieu. Il y en a qui sont retournés dans les drogues et d'autres choses. Je ne pouvais pas imaginer. Tu reçois de Dieu une grâce, la guérison, le pardon, la vie éternelle, et tout d'un coup tu vois ces gens, ils sont de nouveau durs. Ils accusent Dieu, ils sont de nouveau légalistes. Comment est-ce que ça peut arriver, ça? Tu sais, ton cœur, mon cœur, c'est comme un jardin. Il y a des plantes et des fruits merveilleux qui peuvent pousser. Mais il y a quelque chose aussi... Dans le jardin, comme au paradis, qui n'était pas prévu, ça s'appelle les mauvaises herbes. Toi qui es un jardin, tu connais ça, tu aimes les mauvaises herbes. Tu sais, les mauvaises herbes poussent même plus vite que le reste. Si tu n'enlèves pas régulièrement les mauvaises herbes, ça va étouffer les autres plantes. Et ton cœur, c'est un jardin. Mon cœur est un jardin. Et le Saint-Esprit aimerait nous montrer souvent, quand on est en communion avec lui, qu'il veut enlever des choses. Ça peut être l'orgueil, euh, d'autres choses, euh, la, la, la jalousie. Alors on peut faire quelque chose, on peut couper ça. On peut prendre des ciseaux, tac, 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 on enlève et on n'a encore le reste qui est bon. Les mauvaises herbes, quand tu coupes, la racine est là, elle revient toujours à nouveau. Maintenant tu peux aller en cure d'âme, tu peux faire de la délivrance. Les racines, les creuser, on met une ration dedans. Mais il y a quelque chose d'autre qui est encore mieux. Quand tu as ça dans ton jardin, il n'y a pas de mauvaise herbe qui va encore pousser. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça Oui, C'est pas quelque chose qui est chimique, c'est quelque chose qui est le Dieu. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est Ou est-ce que je raconte dimanche prochain non, j'aimerais te le raconter. Ton jardin, c'est ton cœur. Et si Dieu t'a pardonné, il t'a enlevé tes péchés, et quand la grâce et la faveur sont là, des fruits merveilleux vont pousser. Si tu veux que dans ton cœur, pas de mauvaises herbes repoussent, il ne faut pas que tu fasses autre chose que ce que Jésus a dit aime ton cœur. Si tu aimes ton cœur, alors il n'y a pas d'orgueil, pas de jalousie, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de légalisme qui va revenir. Aime ton cœur, Jésus dit aime ton Dieu de tout ton cœur. Et je crois que chacun, chaque chrétien peut faire ça très facilement. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et avant que tu aimes quelqu'un d'autre, aime-toi toi-même. Si tu aimes ton cœur, alors ton cœur est immunisé contre la semence de la mauvaise herbe, ce qui est vrai, étouffer le reste. Si tu aimes ton cœur, tu ne vas pas être jaloux. Tu ne vas pas envieux, amer. Tu ne vas pas être orgueilleux. Tu ne vas pas être critique si tu aimes ton cœur qu'est ce que tu vas faire tu vas être reconnaissant tu vas adorer ton dieu tu vas raconter ses ce, œuvres tu vas être miséricordieux si tu ne fais pas tout le reste que tu devrais faire ce que tu vas faire ça va être difficile ce n'est pas facile d'aimer son cœur mais c'est une décision c'est une décision est-ce que tu aimerais que la faveur de Dieu vienne sur ta vie? Est-ce que tu aimerais avoir un cœur brisé parce que la bonté de Dieu est si proche de toi? Est-ce que tu as avoir un cœur brisé quand tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime comme tu es? Est-ce que tu as avoir un cœur brisé quand tu sais que ton Dieu il est là avec ses bras grands ouverts? et dit viens mon enfant, moi je vais t'aimer de façon toute nouvelle, j'aimerais te rappeler tout nouvellement de ma grâce, j'aimerais poser ma faveur sur ta vie, tout ce que tu fais, que tout soit béni, tu n'as tu pas mérité, mais je te l'offre parce que je t'aime. Est-ce que tu aimerais vivre de nouveau? Est-ce que tu aimerais de nouveau être comme un enfant et dire papa? Dans le ciel, je suis désolé où là je n'aimais plus mon cœur. Je suis désolé où je suis de nouveau allé contre le courant, contre la grâce. Jésus, s'il te plaît. J'aimerais cet après-midi de nouveau aimer mon cœur. Que ce soit cette nuit, cette nuit ne t'endors pas avant que tu aimes ton cœur Et tu vas voir tu vas le vivre Comme tout d'un coup ton cœur brisé ton cœur bien-aimé de Dieu celui que tu le prends et tu l'emmènes Peut-être que tu sais même pas comment ça va ton cœur Je veux te dire ton cœur donne-lui un nom moi, à mon cœur, j'ai donné un nom. Mon cœur s'appelle Pierrot. Et quand je parle à mon cœur, je parle à Pierrot. Est-ce que tu peux mettre ton nom, celui que tu n'aimes peut-être pas, et ça c'est dangereux, accepte ton nom et ton cœur. Donne à ton cœur ton nom. J'aimerais bien faire quelque chose de prophétique. Si tu as la foi comme un enfant, j'aimerais que un moment tu prends ton cœur dans ta main. C'est comme si tu voyais ton cœur dans ta main, qui a ton nom, que tu t'appelles Patrick Martina ou Christina. Regarde ce cœur dans ta main. Et dis-lui Christina. Ce cœur merveilleux, je l'aime. Que tu t'appelles Patrick ou Roland, j'aimerais que tu prennes ton cœur maintenant, que tu pa dises le nom, Roland. C'est un cœur merveilleux de Dieu. J'aimerais un moment que tu fasses cela dans la foi, pour que ça va libérer la faveur de Dieu dans ta vie. Alors j'aimerais faire encore quelque chose. Une dernière chose aujourd'hui, j'aimerais que tu donnes pardon à ton cœur là où tu l'as rejeté, là où tu l'as accusé, là où tu croyais. Ce n'est pas un bon cœur. Tu as un bon cœur. Jésus l'a acheté. Peut-être que tu l'as blessé, mais tu as un bon cœur. Il a été acheté par la monnaie la plus chère du monde, c'est le sang de Dieu. Si tu crois que tu as un cœur bon, alors fais quelque chose comme signe de pardon, donne à ton cœur un bisou, comme signe que tu lui as pardonné, comme signe que tu l'aimes, alors que tu peux de nouveau avoir ton cœur en toi. Parle souvent à ton cœur. Donne-lui que tu l'aimes, que c'est un cœur bon. C'est la piste d'atterrissage pour la grâce. C'est ce qui attire la faveur de Dieu dans ta vie. C'est un moment saint maintenant. Laisse la gloire de Dieu maintenant te toucher, ce que tu fais maintenant. C'est peut-être mieux que toute cure d'âme que tu n'aies jamais reçue. Alors, tu peux de nouveau parler à ton Père dans le ciel et dire, « Seigneur, j'aimerais libérer la faveur de Dieu. J'aimerais de nouveau la vivre, que tout ce que je fais, ça réussit. Tout ce que tu me montres, je vais faire les plans de Dieu. Je vais aller dans mon appel. Reste un moment dans la présence de Dieu. » dans un moment d'adoration, de louange, si tu as envie que quelqu'un prie encore pour toi.